Aujourd'hui, je vous propose qu'on voit juste un petit geste qui est néanmoins très pratique, qui est le passage du pouce du grave à l'aigu. Qu'est-ce qui se passe au niveau du corps pour pouvoir permettre que le bras gauche, pardon, passe du talon à l'aigu? Et comment est-ce qu'on peut permettre d'avoir une belle accessibilité? Alors, comme d'habitude, tout ça dépend des morphologies, ça dépend du type de musique qu'on fait. Est-ce qu'on va très souvent dans les aigus? C'est-à-dire, est-ce qu'on travaille un répertoire de concertiste? Est-ce qu'on reste plus souvent dans les graves et puis de temps en temps on va visiter un peu les aigus, ce qui est mon cas? Quelle hauteur est la basse? Donc, en général, on préconise que le sillet se trouve en gros entre le sourcil et le sommet du crâne. Donc voilà, il y a de la marge. Ça dépend aussi comment je tiens ma basse. Est-ce que je la tiens très inclinée? Est-ce que je la tiens très droite? Voilà. Donc moi, je pars d'une position lambda. Je suis une basse légèrement inclinée. Important quand même, l'éclisse. Mais là, ça dépend des gens aussi, de la hauteur de pic. Et puis comment est-ce qu'on est... Est-ce qu'on a des abdos plats ou pas, hein? Donc l'éclisse, comment dire, l'angle de l'éclisse à l'arrière vient se poser contre le pli de laine. Okay, donc j'ai une basse qui est légèrement à 45 degrés par rapport à l'axe de mon corps. Et donc pour aller vers les aigus, moi j'adopte une technique que m'a apprise mon prof de classique, qui est en fait de faire reposer la basse sur soi. En gros, le mouvement, c'est là je joue normal, ding 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 ding, je joue normal et je veux aller vers les aigus. Qu'est-ce qui se passe? Mon bassin se recule tout en gardant le dos droit dans ma manière de jouer de la contrebasse. Le dos est hyper important parce que c'est une pointe fixe qui permet un repère de justesse. Donc mon bassin se recule, ça veut dire que je prends appui sur ma jambe à l'arrière, ma jambe droite. Éventuellement, ma jambe gauche, mon genou gauche se plie un petit peu. Ok, normal. Tac. Voilà, là je suis en position aiguë et le manche, je me mets un peu par là, le manche vient se poser sur l'épaule. Donc ce qui fait que j'ai les bras vraiment complètement libres. Et quand je veux revenir vers les graves, je repousse simplement le bassin. Donc mes bras aussi, là, bon là je joue, ok, donc je tiens un peu le manche, voilà. Aigu, grave. Et il n'y a que ce mouvement de bassin qui fait passer de l'un à l'autre. La zone du manche où on va commencer à opérer ce mouvement d'accueil ou de repousse avec le bassin, c'est en gros au niveau du talon, à peu près à partir du raie et jusqu'au fa, si on prend comme repère la corde de sol. Ok? Gamme de do sur deux octaves. J'arrive sur mon ré, déjà je commence à partir un peu en arrière avec le bassin. Voilà, et là je suis confort. J'ai visuellement tout le manche devant moi, mes bras sont bien dégagés et pour redescendre c'est exactement l'inverse. À partir du mi, je commence à repousser, donc mi, fa, ré. Et là je suis déjà en position.